Donc, la cave de Crouzeil, c'est 148 vignerons qui sont répartis sur l'ensemble de l'appellation, donc sur les trois départements, donc Gers, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. Ces 148 vignerons, ils ont des cahiers de production sur lesquels ils s'engagent en termes de conduite du vignoble, ce qui nous permet d'avoir plusieurs catégories de vins. On va retrouver donc des traditionnels qui sont élevés en cuve, et là on a la possibilité en cave d'avoir des petites cuves qui nous permettent de faire des petits domaines. On va ensuite avoir des cahiers de production qui concernent les vins tendances et les grands vins, où là effectivement il y a beaucoup plus de travail en vigne. Et au final, on a des vins qui sont très portés sur le fruit rouge, le fruit mûr. Et ensuite, on a donc les grands vins et les châteaux qui, eux, sont gérés un peu à part, puisqu'en fait, certains châteaux ont fait même de la vinification en parcelles isolées. Chacune des parcelles qui représentent le même ensoleillement va être vinifiée à part de ses voisines ou de ses consoeurs, de façon à ce qu'on essaye vraiment de révéler tout le soleil qu'elle a pu avoir et ainsi trouver des nouvelles saveurs dans le vin. Nous avons actuellement acquis cette demeure dans les années 80. Réhabiliter cette demeure en 93 pour en faire ici un point de vente dédié à une clientèle, voilà, une clientèle de la cave qui était habituée à venir à la cave de Crouzeil. Donc nous avons essayé de leur démontrer par les efforts qui ont été faits au niveau de nos vignerons, par le rachat de cette demeure, de les positionner dans un milieu de prestige. Donc actuellement, nous travaillons directement, nous vendons nos vins directement au château de Crouzeil depuis les années 95, auxquelles cette demeure a été inaugurée et présentée bien sûr à notre clientèle. Alors, à l'intérieur, vous retrouvez tous les produits de la cave de Crouzeil, entre autres nos madirans, le château de Crouzeil bien sûr, qui est notre fleuron un petit peu de l'image de l'appellation, les pâcherins du Vic-Bil, et des vins de Béarn également, que l'on pourra bien sûr vous inviter à déguster tout au long de l'année. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7.